Ah, l'été arrive. La chaleur, le soleil, la mer. Il pleut, sa mère. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, je suis en train de préparer un petit court-métrage, donc je le tourne le dimanche 19. Je sais, j'avais dit, je ferai pas de vidéo cette semaine parce que je suis en train de préparer le machin, mais j'avais envie de vous faire une vidéo. Voilà, c'est tout. J'ai reçu une question sur Snapchat. Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises comme matos et comment tu fais tes vidéos sur YouTube? Là, je me suis dit, toi, merci beaucoup, parce que tu m'as donné l'idée d'une vidéo. Donc, comme tu l'auras compris en regardant le titre et en cliquant sur cette vidéo, je vais te montrer comment moi je réalise mes vidéos sur YouTube. Alors, voilà, je vais vous présenter mon matériel, comment je fais. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà mon ancienne caméra qui est une Canon EOS 1100D, donc qui est un appareil photo spécialement spécialisé pour la photo, mais voilà, j'avais que ça sous la main quand j'ai commencé, donc ça faisait assez de bonnes vidéos puisque vous n'êtes pas forcément plein de la qualité. C'était ma première caméra, donc je vais basculer sur cette caméra pour vous montrer un peu avec quoi je filme. Donc désolé si la qualité est un peu basse, mais voilà, je vais filmer avec ça à partir de maintenant. Allez, suivez-moi, c'est parti! Donc pour ce qui est de ma caméra actuelle, j'utilise un Canon EOS 650D avec un objectif 18-55, donc c'est, on va dire, un objectif basique quand on achète des Canon. C'est une caméra assez bonne pour la vidéo car ça fait du 1080p, donc c'est bien, on va pas se mentir, c'est plutôt potable. Je capture le son avec un micro Rode VideoMic Go. Voilà, donc je vais vous chercher la boîte. Oui, parce qu'il faut savoir que je garde absolument toutes les boîtes. Hop! Je précise bien évidemment que tous les produits que je présente, ce n'est pas du tout un placement de produit. Hein, je serais millionnaire alors qu'il est. C'est un VideoMic Go. C'est vraiment hyper utile parce qu'il est compact, ce qui fait que quand on tourne en extérieur, bah, c'est vraiment cool. Ensuite, comme lumière, j'ai une bonne technique de blédard. Putain, mais c'est quoi ce problème de parler? S'il vous plaît, secrétaire. J'ai pas de secrétaire. Ensuite, comme lumière, je suis très intelligent car j'ai acheté une clé USB que je branche sur mon ordinateur. Je tape sur Google fond blanc HD, voilà, pour que c'est une bonne qualité quand même. Je le mets sur la clé USB et je branche la clé USB sur la télé, ce qui fait qu'après ça me fait une lumière. Voilà, je suis très intelligent, ça m'évite de gaspiller quelques sous. Bon, certes, la luminosité est pas vraiment très top. Donc après, pour les textes, soit tu prends ton ordinateur, soit tu prends les notes dans ton téléphone. Tu t'inspires, je sais pas moi, de tes chats, de ce que t'as fait dans la journée, je sais pas, tu joues à un jeu vidéo, t'as un truc qui te fait rager ou un truc comme ça, et bah, t'écris là-dessus. Tout peut faire une vidéo si t'as un peu d'inspiration. Tu peux même faire une vidéo sur je sais pas moi, de la pâte à fixe. Tu vois, tu te dis, putain, la pâte à fixe, c'est chiant, ça colle partout. Bon, évite de faire ça parce que c'est vraiment nul. Mais tu vois, c'est n'importe quoi peut faire une vidéo si tu l'écris bien. Si toi, tu as envie de faire une vidéo YouTube, prends du temps à écrire ta vidéo, c'est très important. Il faut prendre du temps à l'éditer, à la monter et pour pouvoir faire un bon rendu. Par exemple, si c'est la première vidéo sur ta chaîne, et bah, il faut que tu fasses vraiment attention parce que c'est la première image que tu vas donner de toi. Après, bien évidemment, quand tu regardes la première vidéo de ma chaîne à moi, c'est pas non plus top top, tu vois. Mais je l'avais travaillé, je l'avais écrit. Toi, quand je la regarde maintenant, bah, je me dis que c'est pas si mal que ça parce que les blagues étaient bien trouvées et tout. Numéro 2, je sais pas pourquoi, mais j'adore me prendre des murs. Oui, je suis quelqu'un de véritablement con. Je retire ce que j'ai dit. Ensuite, qui dit vidéo dit titre de la vidéo, hein, bien évidemment. Alors, choisissez bien évidemment un titre de vidéo putaclic. Ce qu'on appelle putaclic, c'est un nom qui va faire cliquer les gens. Par exemple, je sais pas moi. Comment bien faire une vidéo YouTube? Quoi? Non, mais c'est... Non, voilà, c'est une blague, c'est une technique, mais ça marche. C'est tout con, mais ça marche, voilà. Un bon titre putaclic. Je mange une chaussette. Ça, c'est un très bon titre putaclic. Vraiment très très bon. Alors, je n'ai pas essayé, mais... Moi, quelqu'un qui bouffe une chaussette, je vais le voir direct. Hein. Après, c'est... Ensuite, pour faire une vidéo, tu auras bien besoin d'un logiciel de montage. Alors, un logiciel de montage, moi j'utilise Sony Vegas Pro, que j'ai bien évidemment acheté. Bon, d'accord, je l'ai pas acheté. Pour les miniatures, donc comme celle-là, j'utilise Adobe Photoshop, donc que j'ai bien évidemment aussi acheté. Bon, ok, non plus. Psst, ça reste entre nous. Hein. Donc, moi, comme vous le savez, j'habite en Charente-Maritime, hein, enfin, sauf pour les nouveaux venus, bienvenue d'ailleurs aux nouveaux venus.
J'habite en Charente-Maritime, en campagne, vers Sainte, s'il y a certains qui connaissent. Bah, la connexion internet, on va pas se mentir, hein. Je télécharge un film en environ 3 heures. Quand je dois uploader une vidéo, je dois le mettre uploader toute la nuit. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc je la planifie souvent pour le vendredi à 19h ou le week-end quand j'ai pas le temps. Allô? Il a pas sonné. Quoi? Donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu l'as aimé, voilà, ça me ferait énormément plaisir. Bon, c'est une petite vidéo, voilà, pas forcément très travaillée, parce que celle-là je l'ai pas travaillée, je sais que j'ai dit que on devait travailler à la vidéo. Celle-là je l'ai pas travaillée, puisque je suis en train de travailler sur le court-métrage qui sortira dans les jours à venir. N'hésite pas à t'abonner, à partager avec tous tes potes cette vidéo, et ma chaîne YouTube. N'hésite pas à me rejoindre partout sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est totalement gratuit. On se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!